Je me demande comment les Turiens tiennent. Au moins, les Piaf ne fuient pas quand la situation craint. Commandant, Cerberus attaque des civils sur Beningue. On nous demande d'évacuer la planète. Alors ça, c'est une autre mission N7, mais je m'en occuperai, comme expliqué avant, hors caméra. Ah voilà, oula, bah, y a plein de trucs. Ah, il a trouvé... ah oui, en fait, il y a trois choses. Il a trouvé les attaques de Cerberus. Complexe du voile. Hein. La fin du chinophage. On va continuer sur la bombe. Continuer sur la bombe après Cerberus. J'avais qu'à Egarus avec moi. Tout le temps, pour toujours, forever and ever. Alors, nouveau. On va faire voir les nouvelles armes. Donc, il y a le Phyton. Une très bonne arme que j'ai jamais utilisée, mais je préfère le Matok coup par coup. Et là, en nouveau, j'ai l'écorcheur, le M22V. On va rester sur le Piranha. Et donc, j'ai expliqué la petite mitraillette tempête qui est très sympa à utiliser si vous aimez les mitraillettes. On confirme, j'ai de nouveau 4 points. Est-ce que je peux... Non, c'est 5 points. Donc, lui, Garus. Ils ont 6 points. Niveau Supoto. Javik, 8 points. Hop, on confirme tout ça. Et on va essayer de retrouver le fils Victus. Ici le lieutenant Victus du 9e peloton. Me recevez-vous? Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, commandant. On se fait salement chahuter. On n'ira pas plus loin, lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien sûr. Ah là, elle a la bonne arme en main, là. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... Turienne. Comment ça, Turienne? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan, la bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Brutale, mais pas dépourvue de logique. Que les Krogan bougent et ils se font pulvériser. Plutôt malin. Dur de faire confiance aux Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turien et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle? Dans ses bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9e peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffut, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Compris, lieutenant. Non, je parlais de l'autre mission secrète, implanter des Burger King sur tout Chanka. Allons taper du l'humain. Allez, on va taper, on va... Boum, c'est mort. En avant, hop, soldat d'assaut. Gardez la tête baissée. Je sais pas sur quoi tu tires, j'invite. Ah là, ils sont... Ce qui est bien avec leur truc, c'est qu'on peut se mettre à l'abri aussi ici. On avance. Boum! Toi, tu l'as... T'as pas vu venir. Je bouge, t'inquiète pas, je les contourne. On utilise notre wall hack pour tirer au travers. Boum. Il faut être mobile. Je suis mobile. Alors je pense que là il n'y avait rien à fouiller, mais à partir de là. Il y a 2-3 choses à fouiller. Je devrais reprogrammer le mécanisme de l'amorce. Bah tu programmas, tu le programmas, c'est toi qui fais. Ah là on a quoi? Une baïonnette de fusil à pompe au corps à corps. Je crois que c'est ce que j'utilise. En mode pour... Cibler les générateurs de boucliers.
va le raise manuellement. Celle-là, tu l'as pas vue. Ah ouais, non, c'est vrai, ils ont tout ça. Alors, on a détruit ça, le générateur de bouclier. Donc on est bon. On est bon, est-ce qu'on est bon? Il y en a encore... Ah, il y a parlé. Oh, ça c'est fait. Ça c'est fait. Le succès boîte aux lettres. Dégage. Ok, ah bah il est revenu en vie tout seul. Ça c'est cool, là y a rien à fouiller. Commandant, ah si, on a un truc là. Côté gauche. Côté gauche. Ouais, mais on est à droite. Merci Javik. Là je fouille. Javik, je fouille. On y va. Hop. Des munitions, important, les munitions, munitions. Ah, il y a encore un truc sur la droite. Console. Oui, Datunas. D'abord on bat les Krogan et ensuite on rase leur planète. C'est plutôt extrême, mais c'était une situation désespérée. Contrôler l'ennemi à son insu. Voilà une stratégie remarquable. Merci Javik pour ton intervention. Il n'y a rien, hein. D'accord. Hop là. Encore un mode à ramasser. Encore plein de choses à ramasser. Oh, ça explose loin. On est bon, on continue notre avancée. T'es mort. Bien reçu. T'inquiète pas, je fais tout le boulot. Ah, j'entends du Cerberus sur la droite. Ah ouais, en effet. Alors, medikit, on ramasse. La lunette de pistolet, on ramasse aussi. Voilà, ça, important à détruire. On peut les... Ouais. Ouah, comment tu l'as évité, juge. Je t'applaudis. Cerberus qui se casse, ils ont peur. On enlève ça. Un datapad. Hop, des munitions à volonté, enfin presque. Cerberus mort, traite. Hop là, toi t'es mort. Non, pas encore. Voilà, boum. Allez, j'ai envie de me faire 2-3 au corps à cœur. D'accord, on y va. Continue notre avancée. Ah, c'est eux qui se barrent, Cerberus. Hop, on va recharger. Je peux m'en faire un ou deux avant, ça fait toujours ça en moins. Même si ça compte pas. Hein. Bien sûr. Mais c'est juste pour le fun de les voir tomber. Ah. Ils l'ont placée en profondeur pour qu'elle reste cachée. Cerberus a dû la déterrer. J'espère que Victus sait ce qu'il fait. On n'aura pas de seconde chance. Il faut bouger, Shepard. Commandant, nous entrons sur le site de la bombe. Nous avançons vers la station de contrôle. Bien sûr. Ah, par nous, on va, nous, on va par où, nous? On va par là? C'est pas par là? Ah, l'échelle. Hop. Le truc qui pop au moment où j'arrive. La bombe est plus très loin. Cerberus va revenir en force pour nous arrêter. Ils ont commis une erreur. Laissons approcher. Ah non, c'est pas comme dans le 1 ou le 2. Ça explose pas. Alors, on a vu des vaisseaux de Cerberus avant. Fais toujours ça en moi.
tourelle en moi. On va prendre du medikit. On dirait un plan de télécommande pour des tourelles automatiques. Inutile pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Ah bah voilà, ça c'est une quête pour la citadelle. Donc des plans de tourelles, je pense que ça va être sûr. On se magne. Ça c'est vrai, ce qu'il dit Javik. Mettez une grosse, un gros pétard sur une faille tectonique, ça va faire du dégât. Je dois les contourner. Ça va prendre du temps. Comme vous dites, pas de détonation, pas d'explosion. Vous arriverez à désarmer le détonateur? Oui, c'est ancien. Je sais quoi faire. Donnez-moi quelques minutes, commandant. Mon escouade a pris des risques pour vous, lieutenant. Faites votre part. Je connais les enjeux, commandant. Et merci de m'avoir donné une seconde chance. Mais de rien, parce que t'en auras pas de troisième. Ouf. Attention! Commandant! La bombe avant tout. On se charge de Cerberus. Des snipers, ils visent bien quand même Cerberus, hein, ils ont eu de leur entraînement. La défense de zone. Et on va avancer quand même dessus. Boum. Ah, il a pris. Alors si je reste là, je peux bien utiliser mon fusil à pompe. Ah, ils peuvent venir. Bon, ça va, ils sont là-bas. Allez, Javik. En voilà d'autres. Il me faut plus de temps. Ils nous envoient tout ce qu'ils peuvent. Garo Navas. J'y suis presque. Alors, Javik, il y va, n'empêche, hein, au corps à corps. Hein, ils font ça. Ah. Je vais la garder sous le coude. Est-ce que je peux... Je voudrais l'utiliser en fait pour... S'il y a un autre vaisseau qui arrive. J'ai pas envie d'utiliser sur ça, n'empêche. Ah bah. Détruisez-moi ça. Boum. Voilà, ça c'est fait. L'Atlas au moins c'est réglé. L'Atlas il a vraiment pas fait long feu. Bah voilà. Oh, c'est nickel. Et boum, et lui il meurt aussi comme un caca. Ah, il est pas mort. Là t'es mort. Ok, bah on est bon, ça c'était... Oh, rendement bien mené les deux dernières vagues là. Grand esprit. Cerberus a hacké le mécanisme de l'amorce. Il est réglé pour exploser. Désarmez-le. Pas le temps. Je dois séparer la mort de la bombe. Vite! Couvrez-moi! Oh, mais c'est trop bien, n'empêche! En plus, il y a un film qui a été annoncé. Enfin, il y a des rumeurs de film. Il y a le film, en parlant de film, il y a le film Lost Paragon, Mass Effect, qui se passe avant Mass Effect 3, et je vous le conseille. C'est un très bon film. Un film d'animation. Et un vrai film avec des vrais acteurs, ça sera encore top top. Surtout s'il y a BioWare derrière, quoi. Tu me diras, chaque mission dans ce jeu-là, on croirait à une série, quoi. Un épisode. Tellement que c'est fun, quoi.
la victoire. Encore un qui se sacrifie. Bon, ça va, c'est pas chez pas. Commandant, j'ai des communications radio de Force Krogan sur la planète. On dirait qu'ils ont commencé à nettoyer le reste des troupes de Cerberus. J'aimerais pas être le gars qui leur parle de la pochette surprise. Vous vous en êtes sorti? On dirait que ça a bardé en bas. Les Turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Dont le fils du Primarque. Compris, commandant. Joker, terminé. Il n'a pas hésité. Quoi qu'il ait fait avant, c'est ça qu'on retiendra de lui. Ouais, il s'est racheté sur ce coin-là, je suis d'accord. Dur à dire. Un soldat est censé se sacrifier. Il a été héroïque, mais... Nous sommes exigeants. Vivre pour la cause, la société, le peloton, avant tout. C'est notre lot à tous. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Oui, c'est bien vrai. Joli travail sur Tuchanka, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turien et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible. La situation est fragile en ce moment. Avec Vrex et le Primarque à bord du Normandie, ça va vite sentir le roussi. L'alliance entre ces deux-là est encore précaire. Maintenez la paix, commandant. C'est un ordre. Oui, chef. Enquête terminée. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Xénophage ne suffisait pas. Il fallait que vous posiez une bombe sur ma planète. La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Il faut croire que non. Parlez-nous de la bombe, pauvre lâche. Hé! Je me suis remis en jogging. Taisez-vous. Les moissonneurs sont en train de détruire la galaxie. Et vous vous battez pour ça? Primarque, posez une bombe sur Tuchanka. Et Vrex, à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Ouais, il l'aurait fait sauter. Eux. C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci, commandant. Ça ira. Oui, c'est bon, Shepard. J'ai compris. On a de plus grands ennemis à affronter. Tout à fait. Je n'oublie pas vos réserves passées, commandant. Mais j'espère que vous comprenez ma discrétion maintenant. Vous avez gardé ça secret et mis votre fils aux commandes? Il n'avait pas les épaules. Oui. Vous avez raison, commandant. J'ai eu tort de ne pas vous faire confiance. Je m'en rends compte. Tu mérites un taquet derrière ta tête. Mon fils est mort, respecté par ses hommes. Je voulais vous en remercier. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9e peloton. N'importe quel père serait fier de cela. Bon, il s'est racheté envers ses hommes aussi. Certainement. C'est franchement, c'est bien. Donc, encore plein de pragmatisme, ça c'est bon. Alors, on a gagné des Turiens, on a gagné. On a gagné la garde noire turienne, c'est cool. Non, pas de communication. On va continuer sur Tuchanka. Il y a encore deux choses à faire. Enquêter sur... qui fait Cerberus ici. Cerberus ici, pardon. Et contrer le génophage. Ouais, les Volus. Et continuons sur Tuchanka. Et attaque de Cerberus. Enquêter sur la présence de Cerberus. On continue.
Surtout Chanka. Ah, c'est une longue session, hein. Je suis parti sur une longue session de jeu de mon côté. Alors, je pense que ça va faire au moins 4 parties. On est bon. Ouh, encore des points. Hein, onde de choc. Onde de choc. On continue. 8 points. Alors, augmente la force des dégâts des explosions. Ou. Non. Augmente la force et les dégâts des explosions. Biotique. Et après. Ah, on va faire celle-là après. Mais pour le moment, c'est celui-là. Retour. Ah, eux aussi. Ouais, non. On va attendre qu'ils en aient plus. Shepard, Cerberus envoie des troupes loin des champs de bataille de Tuchanka. Leur cible semble être un ancien canon sol-espace qui n'a pas été utilisé depuis la rébellion Krogan. Le site ne possède pas d'avantage militaire spécifique, et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus prépare? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter, et tant qu'à faire, découvrez ce qu'ils manigancent. On s'en occupe. Très bien. Enquête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le canon, commandant. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez-vous-en. Ok. On trouve la salle de contrôle de ces canons. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. Avec plaisir. Ah, c'est une mission multijoueur. On va la faire tranquillement. On y va, je sais qu'il y en a ici, là, il est parti où, lui? T'es mort, on va... te réanimer de loin. On y va, on bourrine un peu. Retenez dans la salle de contrôle. T'es mort. T'es mort aussi. Il y a une tourelle là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il a dû morfler. Toi, tu dégages. On prend le contrôle des canons. Il faut débarrasser le ciel de ce vaisseau. C'est pas le genre de relique Krogan que je m'attendais à trouver. Ah, il y avait une relique Krogan dessus, c'est cool. Et désactivons ça. Ils se retirent. Il va falloir...